Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir une manifestation dédiée à la littérature. Et grâce à la Fondation Lagardère, nous sommes en mesure de, à partir de maintenant, chaque année, de récompenser ou de reconnaître un écrivain arabe de langue française ou traduit en langue française. Dans le cas de ce livre, Saint-Georges regardait ailleurs, il illustre le problème de cette quête éperdue d'identité qui, à un certain moment, est absolument indispensable pour survivre, finalement. Et celui qui n'a pas d'identité court des risques absolument gigantesques. L'auteur m'a plu parce qu'à travers son jeune héros, Nizan, il parle naturellement du Liban, de la terre natale de l'écrivain, mais en fait, au-delà du Liban, de tous les problèmes qui se posent aujourd'hui sur la planète contre le communautarisme, les haines, les racismes, les xénophobies, les luttes entre les confessions, et que dans une vision presque utopique, il imagine ou il envisage la réconciliation, une forme d'harmonie. Il y a une vraie quête identitaire qui est menée par le jeune personnage. Et ça fait forcément écho, ça fait forcément résonance à toute cette jeunesse des pays arabes qui traversent des déchirements, qui traversent des épreuves qui sont insurmontables la plupart du temps et qui parviennent pourtant à surmonter. Je crois aujourd'hui dans le monde arabe, la littérature libanaise occupe certainement une place majeure. Et je crois aussi que le fait que le premier prix de la jeune littérature arabe ait été décerné à un Libanais, c'est aussi en quelque sorte une sorte de reconnaissance à la fois pour la littérature libanaise, pour un écrivain libanais, donc Jabour, et pour son éditeur aussi, Actes Sud, qui fait un excellent travail. C'est un prix génial. Je trouve que la littérature arabe a besoin de visibilité et que ce prix aide à faire connaître une production très effervescente dans le monde arabe. Et ce prix renforce bien ce rôle-là et fait découvrir ça et là de nouveaux auteurs, de nouveaux titres. Je crois que c'est une initiative formidable.